Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano pour la suite donc du let's play de Skyrim avec Greu du l'Orque Furtif. Dans la vidéo précédente nous étions allés, donc nous avons fait deux quêtes. Donc la première quête c'était donc la Rouge Garde qu'il fallait protéger ou dénoncer, et après on est allé voir les vieux. Donc dans cette vidéo on va continuer la quête principale. Je vais même battre contre elle, mais je vais me faire démonter la gueule. Vous savez quoi, je vais le faire quand même. Donc on doit aller trouver la corne de Gurgen par le vent, je sais pas comment dire. Pourquoi pas? Je vous parie 100 pièces. Allez, on va se battre contre elle, juste pour la déconne. Pas d'armes, pas de magie. Ok. Pas de larmes. Aux jours à venir, à ceux qui ne sont pas les dictateurs. Allez, on change de vue. Écrabouille cette nuque givrée. Allez, ok. Alors. Ah, mais. Oh non! Ah non, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Elle vient se mettre au milieu pendant que je me bats. Donc ça, c'est honteux. C'est honteux. Et c'est honteux. Donc on recommence. Ou quoi que vous savez, je crois que j'ai la flemme. Alors on fait une dernière... Pourquoi pas. Un dernier essai. Je parie 100 pièces d'or que je vous... Ça marche. Main nue. Pas d'armes. Pas de magie. Ou pas de larmes. Allez. Allez. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Allez, viens te... Raté! Ça c'est une technique, vous attendez de récupérer un peu de... Ah mince! Allez tiens! Et tiens! Et tiens! Et tiens! Et tiens! Et tiens! C'est tout ce que vous savez faire? Oui, elle est forte quand même. Allez, viens te battre! Viens te battre! Arrête de fuir! Arrête de fuir! Ah, j'ai raté mon... Putain, elle me démonte quand même. Bon ben voilà, on va faire comme ça, hein. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et tiens! Et voilà! J'ai du sang dedans sur les mains. Ça, c'est ce que j'appelle un coup de poing. Vous n'avez pas. Si jamais vous avez besoin de... Ouais, je sais que j'ai besoin d'un partenaire, vous êtes là, madame. J'aimerais bien voir. Donc, je sais pas de ce qu'est devenue Lydia. Pour l'instant, elle est pas là, donc... est-ce qu'elle va apparaître d'un coup à côté de moi? Comment ça va se passer? Suspense, hein. Bon, pour l'instant, elle est pas là, donc on va continuer de toute façon, hein. Elle viendra quand elle voudra venir. Alors moi, je vais me remettre de la vie en attendant quand même. Parce que bon, ça peut me faire monter ma guérison aussi. Voilà, allez, on va aborder le ciel. Et on va voir comment faire pour aller à récupérer cet objet. On va essayer d'être discret, évidemment. On dirait pas, vu que je viens de me battre à main nue, mais... On va essayer d'être discret. Hop, et hop là, voilà. Ouais. Au niveau de la place, je vois que j'ai encore... J'ai des objets que je dois revendre, j'imagine. Que j'ai des choses qui me servent pas. Ouais, des choses qui me servent pas, mais bon. On reste ça, comme ça pour l'instant. Et donc, pour aller récupérer cet objet, il faut... Déjà que j'active la quête, non, elle est déjà activée. Il faut aller ici, donc pour cela, pour venir aller ici, il faut soit partir de Mortal, soit de Hob Étoile. Donc on va essayer de partir de Mortal. Je ferai pas de jeu de mots avec un certain jeu de combat. J'aimerais louer votre voiture. Aller on peut. Allez. Remontez et nous partirons. On y va. Allez, par là. Donc j'espère que cette quête va bien se passer et que vous allez apprécier l'aventure. Alors il faut savoir aussi que dans les dernières vidéos que j'ai mis, la qualité est assez mauvaise parce qu'en fait, pour des vidéos de 20 minutes, je me suis retrouvé avec des vidéos de plus de 1 giga. Et vu que j'ai une connexion qui est pas super, vous avouerez que ça me faisait un peu mal aux fesses d'avoir des vidéos de 1 giga envoyées. Surtout que je l'ai envoyé à 3 comptes différents. Donc je pense que vous comprenez un petit peu que c'est pas facile pour moi d'envoyer autant de... Enfin, des vidéos aussi lourdes
pour 3 comptes. Donc j'ai baissé la qualité, mais maintenant j'ai décidé que je vous enverrai quand même avec la meilleure qualité possible. Bien évidemment, hein, je ne vous mettrai pas la qualité on va dire originale, puisque là ce serait plus du 5 giga que du 1 giga à envoyer, mais bon. J'essaierai de faire un effort pour vous, pour que ce soit plus agréable pour vous de... Oula, j'ai fait une connerie, on va passer par là. Pour regarder mes vidéos. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui se sont abonnés, qui regardent, qui me suivent. Ça fait plaisir, surtout que bon, je suis très très nul en improvisation. Un jeu, quand je le connais pas bien, pour essayer de séduire le public, tout ça, je sais pas vraiment faire. Quand je sais pas, je suis plutôt du genre à me taire et essayer de trouver la meilleure solution pour survivre, on va dire. Et pas forcément de raconter ma vie ou de faire des blagues. Donc, j'espère que la manière que je fais ça vous plaît. Et que vous allez me suivre jusqu'au bout de cette aventure. Voilà, voilà. Donc on va arriver là où on doit aller. On n'y est pas ce qu'on y est. C'est ici. Oh, oh, ils m'ont vu. Je suis dégoûté. Je voulais pas qu'ils me voient. Je me rappelais plus qu'il y avait des gens ici. Ils me suivent encore? Putain, mais ils viennent jusque là. Ça plaisante pas, je vais essayer de les avoir. Ok. On va s'y rapprocher quand même un petit peu. Et on va essayer, donc déjà on va utiliser le sort silence. Alors le sort, c'est que si je monte des diligences assez rapidement quand même, c'est que l'air de rien, la magie, silence, prend énormément de points de magie. Donc bon, c'est pour ça que ça monte vite, c'est qu'on utilise la magie, le jeu il fait waouh, il a utilisé beaucoup de fois la magie, mais en fait non, c'est juste que ben voilà, c'est très puissant, enfin puissant, ça prend beaucoup de points. Alors où sont ceux que je dois attaquer? Ils ont disparu. Il y a des gens qui sont morts. Ah mais ils se sont fait démonter la gueule. Ils se sont fait démonter la gueule. Par qui? Par qui ils se sont fait démonter la gueule? Lydia, t'es là? Y a un petit souci là. Je croyais qu'il était là pour m'attaquer, mais finalement c'est eux qui se sont fait poutrer la gueule. Lydia? Bon. C'est pas grave, hein. Moi qui croyais que j'allais pouvoir être furtif. Sur ce coup-là, c'est frappé. Donc le bandit, il a de l'or, des tourteaux hors cœur. Et là, on a un petit coffre avec à l'intérieur un arc long crochet. Hache d'armes de volerie. Fuit pendant 30 secondes. Ça peut être pas mal, ça. À utiliser pour une flèche, pour un arc ou des trucs comme ça. Donc, pas forcément corps à corps, puisque je serai pas trop corps à corps. Sauf évidemment pour tuer discrètement. Mais bon. Allez. Sauvegarde rapide. On va sur le bandit. On va refaire un coup de... De discretos. Voilà. Il y a le domestos et il y a le discretos. Le bandit. Vos esclaves sont encore plus lents que des argoniens dans un blizzard. J'arrive pas à les avoir, purée. Bon. Ah mais ça me gaffe ces dagues là. On vient là. Tiens, tiens, et tiens. Allez, j'augmente mes capacités à une main, viens là. Voilà, hein, là je fais le point. Guadu. Guadu. Ah mais non, mais d'accord, il y a dû avoir une invocatrice qui c'est elle a dû le ah, réveiller les morts quoi. Je comprenais pas pourquoi il était mort d'un coup. Bon, bah j'ai raté ma discrétion, hein.
Bon, on va continuer quand même, ça me permettra de monter un peu mon attaque à une main. Ce qui sera bien aussi parce que j'utilise des dagues, hein, faut pas oublier. Je vais essayer d'être plus discret la prochaine fois. Oh là, petit rame. Petit coup de rame. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une potion de soin, mais qu'est-ce qu'il a l'ordi des fois? Coffre, hop, potion de magie légère, livre de sort, étincelle. Donc ça, je crois que j'ai déjà de toute façon. Donc il me sert pas à grand chose. Ouais. Arquelon crochet, je prends. Pioche, ça peut toujours servir. 25 en armure. Les maintenues à moi, par exemple, l'armure, c'est 25 aussi. On va garder cette armure-là en attendant. On va pas se trimballer 10 000 vêtements non plus. Allez, petite sauvegarde. J'ai l'impression que Lydia est morte ou on va toujours pas retrouver son chemin. Du raisin just by. Ouais. Alors je prends en général les robes, je les prends parce que ça prend vraiment ça coûte quand même cher pour ce que c'est. Vous voyez que c'est pas par rapport au reste quoi. On se demande comment ça se fait que ça soit si cher. Donc hop, encore un coup. Encore un coup d'illusion qui augmente. Donc technique pour monter de niveau. Tout simplement. Donc j'ai même monté d'un point de d'un niveau. Donc on verra après pour. Je vais quand même pas en prendre 10 000. Il m'a vu. Ah, il me voyait pas. Tiens. Il me voyait pas, j'y crois pas. Ouh là là, j'adore. Franchement, les finishes à l'arc, c'est magnifique. Vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal monté de niveau. Donc, on m'a posé la question de pourquoi je prenais pas des épées normales en fait, quoi, je prenais les dagues, ça c'était pas puissant. Donc j'ai répondu, je vous répondrai pour ceux qui se poseraient la question, c'est que je vais être un assassin, donc je vais être le plus réaliste possible. Un assassin en général a des petits couteaux, ou des dagues plutôt là, dans ce cas là. Donc c'est pour ça que j'utilise des dagues. Je sais que c'est moins fort, que logiquement, si c'est des armes à une main, les épées peuvent tout à fait faire l'affaire, mais moi je ne veux pas utiliser d'épée, je veux que ce soit le plus réaliste possible, même si un orc furtif, c'est pas très réaliste. Donc là on va récupérer tout ce qu'on peut. J'ai cru qu'il y avait une pierre là. Il n'y a pas de pierre ici, c'est des radins. Donc ici, donc c'est une salle, en fait, c'est par là qu'on va revenir. Voilà, vous avez la porte du retour, donc on reviendra par là. Mais pour l'instant, hop, on a un coffre ici. Hop, une urne avec des sous et des potions, c'est ce qu'il y a en général dedans. Je vais pas fouiller toutes les urnes quand même, parce que ça prendrait du temps un peu pour rien. Et on va essayer de chercher autre chose, évidemment, parce que... Il n'y a pas que ça quand même ici. Ben si, il n'y a que ça. Ah, on a le mystère de Talara qui m'augmente la guérison. On va prendre le livre, ça se revend. Potion du guérisseur, potion de santé... Les urnes, c'est le meilleur endroit pour trouver des sous. Des fois, vous pouvez trouver pas mal de sous dans les urnes. Pour des anneaux aussi, voilà. Je vais augmenter mon niveau, parce que j'y suis. Et je vais m'augmenter ma magie. C'est bizarre, hein, un orc qui fait de la magie, quand même. Bon, il y en a, hein, des magiciens orcs. Ah, cette fois, j'ai pas monté de niveau. C'est rare, mais ça arrive, ça y est. On va y aller tout doucement, on va fouiller tout ce qu'on peut aussi, mais on va essayer de pas perdre trop de temps. Oh, y a des toiles d'araignée. Donc là, on a deux endroits différents. Ça nous permet de faire ça, et ça c'est pour la suite. Vous avouerez, je sais plus si trop ce qu'il y a ici. Ah, il y a un endroit caché. Donc on prend toutes les pièces. Bon, après, hein, ça... voilà. Donc, logiquement, il y a voilà, une chaîne à tirer. Hé,
Eh, je monte encore de niveau l'illusion. Oh, tout ce que j'ai. Ah, tout ce que j'ai eu comme. Je sais pas où je vais du tout. J'ai aucun souvenir de cet endroit. Mais c'est pas grave. Pas de piège par terre. Pas de piège. Ok, bon. Bah, j'ai pas fait gaffe, s'il y avait une piège près du coffre. Augmente la résistance au feu de 15%. J'aime grenade. Ok, donc qu'est-ce que j'ai sur moi en armure déjà? J'ai des bottes impériales de 7 de défense. Et donc là, j'ai trouvé des bottes de cœur de pare-feu 8 avec... de la défense en plus et du feu. Alors attendez, je vais voir ce que ça donne sur mes pieds. Oh, classe. Allez, on continue. Là, je cheat un peu pour le début quand même, j'avoue. Bon, moi je me déplace en silence. Bon. Ce que je vais faire, je vais voir dans mes compétences, puisque je vais être assez bon. Je vais vous montrer un truc que je vais sûrement utiliser. C'est dans les armes à une main, on a un endroit spécial pour les armes à deux mains. Enchaînement à deux armes. Les attaques à deux armes sont plus rapides de 20% et les attaques de puissance à deux mains infligent des dégâts supplémentaires de 50%. Donc ça, je l'utiliserai évidemment. Mais bon, pour l'instant, je vais plutôt aller dans l'archerie et je vais augmenter les dégâts. Et je me languis aussi d'avoir... Il y a un truc... je sais plus... Non, il y a un truc avec... les compétences, si on les... Ah, je trouve pas... Ouais non, tout ça on s'en fout. Alors, sors de là. Sors de là. Mais 20%, on les a pas vus. Eh tiens, ouh là là, mais c'est beau. C'est fini à l'arc, son classe quand même. Voilà, lui il a morflé. Désolé, je suis un peu concentré quand il faut tirer à l'arc, comme je suis une brêle. Non, il m'a vu. Tiens. Oh, le petit finish au feu. C'est beau. Oh, c'est beau. Oh, pardon. Allez, on va aller fouiller. Hop, épée. Or... Ah, mais je me... Alors, je vous explique. C'est que... Ça, c'est... J'appuie sur Tab, donc c'est le bouton pour afficher ça. Mais c'est aussi un bouton pour revenir en arrière dans les menus. Et donc, comme j'appuie trop longtemps, bah, ça m'ouvre... Ça m'ouvre, en fait, le menu des caractéristiques à augmenter. C'est con, mais c'est comme ça. Allez. Je me sens bien en discrétion, l'air de rien. Bon, bah, je suis pas non plus super bon, mais je trouve ça agréable. Ça change un peu, quoi, du reste. Hop, ça se vend. Donc, hein, je ne porterai pas d'armure lourde, hein, même si j'ai des perfs, des perks, comme on dit. Des compétences qui me permettent d'être, entre guillemets, pas entendu, voilà. Il n'y avait pas normalement... Ah, mais non, je les ai tous tués, là, non. Attends. Je sais pas. Bon, on y va quand même doucement. Ah mais non, c'est la suite, d'accord. Là, nous on vient d'en bas, oui, oh, fou. Allez, avant de changer de porte. Voilà. C'est pas bien ce que je fais, je sais. Mais en même temps, hein, j'ai besoin d'utiliser l'illusion, hein, puisque je. Il y a une magie d'illusion qui permet d'être invisible, tout ça. Donc si j'ai pas de stats dans l'illusion, bah, ça sert à rien que j'en fasse, quoi, de l'illusion. Donc là, c'est un endroit, je crois, un peu plus ouvert. Ouais, c'est ça. Donc là, vu que j'ai un sort de silence, ça devrait plutôt bien se passer. Donc...
Ok. Alors, ici, normalement, on peut les empêguer. Donc là, le zoom, c'est vrai, m'aiderait bien. Là, ici, il y en a un. Bon, bah lui, il est mort. Ensuite...